Bonjour à tous, c'est Passé Artifice, on se retrouve pour une nouvelle vidéo déballage d'un colis Magic Pyro Shop qu'on avait fait en commande avec Yannick et Atra. Donc il y avait 169 euros je crois avec les frais de port. Donc on est parti pour le déballage avec Yannick en train de faire le point à côté. Même pas vrai, je suis en train de chercher la liste. La liste elle est là. 169 euros exactement. Avec des super tarifs hein, quand même, faut quand même le dire. Combien de pourcents je sais même plus. Putain, ouais, bah, c'est pas le mieux confetti là, c'est que j'en fous partout. Non, t'inquiète pas, on se vengera quand t'auras. Oh là là, mais il y en a partout. Ah oui, je les ai eu aussi, tiens, tu veux la poubelle? Ouais. Oh là là. Oh, et c'est quoi ça? Ah, ils étaient tous comme ça, les cartons. On va dire merci Romain de la société Magic Pyro Shop. Hein. Romain, je te hais. Bon. Il y en a partout. Oui, bah, je te dis. On commence avec un cadeau. Donc, 4 pyrotours. De chez Loco, du cas. Hein. Ensuite, on a un paquet de fontaines. FC4001-4. Donc, je ne sais pas c'est lequel. Voilà. Alors. C'est juste une horreur ce truc. Les confettis, il y en a partout. Hein. Voilà. Une petite fontaine. Ah oui, c'est ceux à plusieurs couleurs. Donc, il y a argent. Là, c'est du crackling. Là, c'est du gold. Et là, c'est du color. Donc ouais, j'avais regardé une vidéo, je l'avais trouvée belle, donc j'avais dit j'en prendrai. En fait, on voit ce que mon appart a subi quand j'ai ouvert mon colis, c'était pire que ça, hein, pour info. En plus, il fait chaud, on transpire, ça va couler partout. C'est ça qui fait le ménage. Merci. Ensuite, on continue avec un paquet de pétardas, de chez Super Power, c'est une nouveauté Magic. Oh bah c'est petit. Donc là, ça ressemble à ça, des petits pétardas. Donc on va voir ce que ça donne, on fera les vidéos test bien entendu. Alors, je ferme. Voilà. Ensuite, on continue avec les démoniques défense. Donc ça vient de chez Super Power aussi. Donc je vous donne pas les grammages tout ça, hein, je vous donnerai toutes les infos quand je ferai les vidéos. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ça ressemble à quoi ça? Ben, c'est un peu comme les démoniaques, comme les pétardins, mais un peu plus grand. Donc on verra ce qu'il donne. Ensuite on continue avec les dynamites, je parlais de chez Super Power. Donc eux ils sont comme ça, voilà, ça ressemble un peu au Spanish. J'espère qu'ils claquent aussi bien que les Spanish. Les mèches ils sont vraiment grandes par contre. Hein. Ils sont super durs aussi. Ouais. Ils sont bien épaisses. Ouais. C'est de la bonne mèche. Ça, c'est par contre, c'est quand même de la bonne qualité. Je m'attendais pas à ça. Ensuite, on continue avec du hammer. Oh, bah, ils sont déjà ouverts. Ils sont semblables aux démoniaques. Ensuite, on a un paquet de Explosif 7 de chez York. J'avais fait les 6, mais j'avais jamais testé les 7. Donc c'était l'occasion de les tester. Un classique, hein, un paquet d'original small, enfin un DFP3 small, un grand classique. C'est des bons petits pétards qui pètent bien. Ensuite, on a des paquets de fontaines. Donc là on a les bleus, flamme bleue et flamme rouge de chez Yorg. Donc je n'ai jamais testé. On a un paquet de train cracker de chez Super Power, c'est des wolves. Donc Yannick m'avait dit qu'ils étaient plus petits que les train cracker normal. Ah oui effectivement ils sont plus petits. La mèche est plus petite aussi. Ouais.
Mais je crois que les trunk crackers de chez Yorg, ils ont 1 gramme, et je crois que ceux-là, ils ont 0,5 grammes. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus petits. Mais bon, comme c'est de la poudre flash, normalement, ça devrait bien claquer quand même. Et pour finir, on a une fontaine diamant de chez Yorg. Bon, pareil, un classique, mais j'en avais jamais testé. La super belle fontaine. Voilà. On continue avec le deuxième colis. Putain, encore un nouveau quand même. Bah, les 7 cartons étaient pleins de confettis. Alors, il y a une lance de l'image. C'est toi qui as mis ça, toi. Ça, c'est Yannick, ça. Donc, alors, on continue avec des chandelles, je crois que c'est les 10 boules. Non. Alors, c'est les 20 boules de chez Ukoba. Donc, il y en a 4, non, ouais. 5. Mais j'ai pris tous les effets, donc c'est plusieurs effets. Alors, je sais pas si c'est marqué les effets. Si, si. Alors là, on a la sensation de chandelle violette. Là, on a de la bleue. Ensuite, on a une orange. Après, on a une scintillante argent. Et là, c'est une or. Voilà, ça permettra de les tester. Ensuite, les chandelles, ils sont petites, mais... Ouais, ils cartonnent, ceux-là. On a un compact Harry. Je crois que c'est plus Harry en anglais, c'est quoi ça comme... Harry's. C'est pas Capricorne, ça? Enfin, je sais plus, enfin Harry's. De Super Power. Donc là-dedans, ça, c'est du catégorie 2. Et il y a... 120 grammes de poudre dans le compact, donc ouais, c'est des beaux. Ça va pour du super power, franchement, ils sont quand même beaux. Hein. Faire un peu au test. Ensuite, le compact gel mini, tout petit, mais il y a plus de matière active que dans un explosif collection. Donc, très beau compact. Ensuite, on en a un. Compact Thunder Rain de chez Yorg. On a un compact Aventure de chez Super Power. Donc sur les vidéos, ils sont beaux. Après, on va voir ce que ça donne en vrai, mais sur les vidéos, ils sont magnifiques, les Super Power. Ensuite, on a une fontaine Gogo Dance. Très très belle fontaine. Chez Yorg. Putain, c'est quoi celui-là, il est énorme. On a un gros compact Liberty de chez Explode. Il est gros, 10 shoots. C'est du calibre combien ça? C'est du calibre. Catégorie 2, c'est pas marqué de calibre. Ah, c'est du calibre 30, c'est du 30 mm. Ensuite, on a un compact Dracula de chez Explode. Ouais, comme ça. On continue avec un compact Top Gun de chez Explode. Et pour finir, on a un compact Magic Night, pareil de chez Explode. Donc voilà, on a quand même une belle commande. Comme j'ai dit, on a pour 160 euros. Il y a des confettis partout, bien entendu. Merci Romain. Donc voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager. Allez faire un tour sur la chaîne d'Atra qui fera aussi son déballage plus tard. Et si vous n'avez pas vu le déballage de Yannick 0260, bah allez sur sa chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.
Thank you.